tu es photographe d'art. Donc tu réalises ici, ce soir, au Pâques des Ouches, à Nevers, ta première exposition photo. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ta passion et sur ton art ? Je suis un photographe autodidacte. Donc, je suis passionné de photo depuis une dizaine d'années. À savoir que c'était pour moi un exutoire pour ressortir une certaine sensibilité. Étant cinéphile, j'ai une certaine notion de cadre, voilà, mais j'ai tout appris et shooté toujours à l'instinct. Et donc, il y a un an, jour pour jour, j'ai fait mon premier shooting un peu comme ça, un peu par hasard, une rencontre dans mon ancien boulot. Et puis, tout de suite, avec les réseaux sociaux, notamment Facebook, j'ai eu un écho très positif des gens. On a commencé à shooter de plus en plus. Et c'est vrai que depuis, j'ai de plus en plus d'amis sur les réseaux sociaux, on m'encourage, on me pousse, on me demande. J'ai beaucoup de visages connus ici, des modèles qui sont venus voir leur maman, qu'ils ont partagé avec moi, parce que c'est surtout comme ça que je le vis, des moments de partage. Et donc, il y a 7 mois, je me suis lancé comme auto-entrepreneur, j'ai quitté mon CDI. Et aujourd'hui, c'est une étape supplémentaire dans ce cursus sur lequel je découvre, étape par étape, cette passion qui devient un métier, et surtout un moyen de rencontrer, d'échanger. Alors, donc Cyril, tu le dis, tu es un grand fan de cinéma, donc tes photos racontent souvent des histoires. Alors, on ne va pas toutes les évoquer, mais est-ce que tu peux en choisir une dans ton exposition et nous raconter son histoire ? Oui, bien sûr. Par exemple, on va se déplacer là-bas, si tu veux. On va se déplacer, je te suis. D'accord. Donc, on va partir sur cette photo-là. C'est un ami d'enfance. C'est un des premiers shootings que j'ai fait, parce que forcément au début quand on se lance, c'est les amis proches qui nous font confiance. Parce que voilà, on est plus à même de connaître la personne, de sentir à l'aise, parce que c'est quelque chose de nouveau, de découvrir comment diriger quelqu'un, comment arriver à ressortir des émotions. Donc à part le cinéma, je suis aussi fan de foot. Et donc là, on voit par exemple le côté un peu décalé, parce que je suis quelqu'un... Je vais pas dire que je suis un clown, parce qu'en ce moment les clowns c'est mal vu, mais je suis quelqu'un d'assez... qui met l'humour au centre de tout, et j'aime ce côté décalé justement avec l'univers de la mode et le football en dessous avec des comptes un peu crades. Et ça pour la référence, c'est mes chaussures à moi, c'est les Kaiser 5, c'est les chaussures qu'ont porté les grands joueurs comme Maradona, Platini, Zidane. Voilà. Donc voilà, Olivier, mes chaussures de foot dans un endroit désaffecté. Et là par exemple, vous voyez un autre de mes modèles qui pose très souvent, qui est juste là, que j'ai connu justement en jouant au foot, monsieur Florian. Qui depuis a poussé un peu dans le même qu'il a. Il fait de la photo régulièrement et qui adore ça. D'accord. Bah écoute Cyril, moi... Petite seconde, je termine et je vais vous... Cyril, moi je te félicite pour tout ce travail. Je te souhaite surtout une belle réussite pour cette exposition. Merci. Florian, bonjour. Bonjour. Donc tu es modèle pour Cyril. Oui. Vous avez réalisé ensemble plusieurs séries de photos. Est-ce que tu peux nous parler de ce partenariat avec Cyril ? Un petit peu sa manière de travailler, un petit peu votre façon de fonctionner en équipe, parce que je pense que c'est quelqu'un qui cherche à réaliser un vrai travail d'équipe et une véritable symbiose avec ses modèles. Alors oui, c'est totalement ça en fait. Moi, c'est parti de... C'est un ami depuis plusieurs années. Et on se voyait souvent au foot et il m'a dit qu'il s'inscrit dans la photo. Vu que j'avais confiance en lui, il m'a dit que si je voulais, je pouvais poser pour lui, il n'y avait aucun souci. Il a toujours des idées très originales. Il sait à faire sortir les meilleurs de chaque modèle. Et c'est toujours un vrai plaisir de travailler avec lui. Et donc, quand tu as échangé avec lui pour cette première photo, est-ce que tu avais déjà l'objectif de faire le modèle, ou alors c'était vraiment l'occasion qui te faisait le larron? Moi, c'était là-bas, c'était vraiment pour découvrir ce milieu. Ça m'a toujours intéressé, mais j'avais jamais eu l'occasion. Et maintenant, grâce à lui, j'ai pu commencer à me faire connaître et je fais un peu de shooting pour plusieurs photographes maintenant. Eh bien, écoute, je te remercie pour ce petit mot. Et puis, je te félicite également pour ce travail parce que vous faites du super boulot. On est quelques-uns à en profiter sur les réseaux sociaux et ça fait vraiment plaisir de te rencontrer. Merci à vous. C'est forcément émouvant pour moi parce que c'est plus que des photos, c'est des moments de vie, c'est des gens que je connais, des gens que j'ai appris à connaître, des gens que je revois, des gens que j'apprécie, qui m'apprécient également. Donc j'ai fait ce choix de carrière il y a quelques mois. Cette personne-là sait dans quel état j'étais à l'époque quand j'ai quitté mon CDI pour devenir photographe. Ce qui est de nos jours, le journaliste que j'ai eu tout à l'heure, il était effrayé. C'est sûr, les photographes, pas tant de monde fait des photos pour pas cher.
je fais oui, mais en tout cas, moi je m'éclate, les gens m'envoient des messages de sympathie régulièrement sur Internet, dans la vraie vie. Je suis super ému de voir les gens qui mettent des messages super gentils, c'est adorable. En plus, je suis dans une période de ma vie où il y a beaucoup de transitions. L'année 2014 a été quelque chose qu'on peut considérer comme des montagnes russes au niveau émotionnel. C'est parti pour être peut-être la plus belle année de ma vie, en tout cas, déjà sur le plan professionnel, parce que j'arrive à un certain épanouissement grâce à la confiance des gens. C'est aussi l'opportunité, puisque vous êtes réunis ici, l'occasion de dire à certains qui ne le savent pas encore, que la personne qui est là-bas, que j'aime profondément, porte un enfant, que je sais, elle va faire ça depuis avant-hier, et ça signifie que j'ai bientôt être papa. Donc, c'est donc beaucoup de choses qui me tombent en ce moment, que des choses positives. Donc encore une fois, merci, je peux vous le dire un par un, mais voilà, j'ai l'occasion de voir régulièrement. Vous avez l'occasion de m'adresser beaucoup de messages sympathiques. Je suis même un peu, des fois, c'est même limite un peu trop, hein, c'est que j'en discute régulièrement avec des personnes qui me sont proches. Je ne sais pas toujours comment réagir autant de gentillesse, parce que moi j'ai surtout l'impression de m'abuser. Et puis voilà, il y a des gens qui rentrent dans mes délires, hein, qui cueillent des pommes dans les bois. Et bien... Donc voilà, c'est génial. Je vous remercie de votre présence. Profitez pour vous nourrir émotionnellement et au niveau de la vie, ça fait pas mal. Puis voilà, bah, j'espère que c'est que le début, puis qu'on continuera à se revoir régulièrement et à faire des choses ensemble. Voilà.